Bonjour tout le monde. Avant de commencer, je veux prendre un instant pour reconnaître tous ceux qui ont été touchés par les feux de forêt au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça survient pendant une période qui était déjà difficile. On pense à vous et à tous les pompiers, les premiers intervenants qui travaillent fort pour contenir les feux et protéger les gens. Merci. Although this has been a very tough few months, for many people it's starting to feel like we've turned a corner. Businesses are reopening their doors to serve their communities. Employers are putting new precautions in place to keep people safe. And right across the country, business owners are using the wage subsidy to get back on their feet and rehire their employees. By using this benefit, employers have helped 2.6 million Canadians stay in the workplace. These are jobs that people rely on to pay their bills and to put food on the table. Jobs that matter to Canadians and to their families. Take roamers in Vancouver and Port Moody. They used the wage subsidy to rehire over 150 employees and reopen their 3 neighborhood restaurants. Or Enable Education in Milton, who applied for the benefit and were able to keep a team of 18 people employed and busy. And that's what this program is all about. But even as things start to improve for many people, we also have to remember that some industries have been hit harder than others. And if you work in one of those sectors, it might take longer to find a job. In the coming weeks, we want you to be able to focus on finding work, not be worrying about your benefits. So, as I announced on Tuesday, we are extending the CERB by 2 months. This help will continue to be there for you and your family. Au cours des derniers mois, on a mis en place toute une série de programmes pour aider les Canadiens à traverser cette période difficile. Depuis le tout début, on a dit qu'à mesure que la situation évoluerait, notre réponse évoluerait avec elle. On a donc décidé de prolonger la prestation canadienne d'urgence et la subvention salariale d'urgence. On comprend les défis auxquels les gens sont confrontés et on veut leur donner assez de temps pour trouver du travail. Bien sûr, ce n'est pas toujours simple de retourner travailler. Beaucoup d'entreprises doivent transformer leur façon de faire pour pouvoir rouvrir leurs portes. Si vous avez des questions au sujet des procédures et des mesures à respecter pendant la reprise, on met plusieurs ressources à votre disposition. Le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail vient tout juste de publier sur son site Web des fiches d'information sur la santé publique qui sont une excellente source de renseignements. Il a également lancé un portail en ligne où les entreprises peuvent partager leur expérience et des pratiques exemplaires, que ce soit des trucs pour désinfecter les lieux de travail ou des conseils pour le port du masque. On a beaucoup de chemin à parcourir dans les prochains mois, mais en travaillant ensemble, gouvernement, entreprises et citoyens, on va passer à travers. With businesses retooling their operations to produce hand sanitizer and people finding creative ways to stay safe, the last few months have shown us the power of thinking outside the box. Going forward, that will serve us very well. Because finding new ways of doing things and collaborating between sectors yields great results. In fact, for tech and agriculture, we've already seen that potential in action. As people around the world start eating more plant-based products, we have an opportunity to bring together Canadian innovation and Canadian crops and a chance to create good, well-paying jobs. We've already invested in this space with the Prairies-based Protein Industries Supercluster, supporting thousands of jobs. But this industry is growing fast, so we're not stopping there. Today, I can announce that our government is contributing almost $100 million for the new Merit Functional Foods location in Winnipeg. This facility will be a world leader in plant-based proteins and will create good jobs in a fast-growing field. And by using 100% Canadian inputs, it will also support farmers who produce the canola and yellow peas used in Merit's products. Standing up for hard-working farmers, creating good jobs, setting up Canada for success on the world stage, these are things that our government will always get behind.
Je terminais ce matin en parlant des démarches que le Canada entreprend sur la scène mondiale. La pandémie a révélé les écarts qui persistent et qui nuisent encore à beaucoup trop de gens à travers le monde. Bien entendu, pour un grand nombre de femmes et de filles, les inégalités en matière de soins de santé n'ont rien de nouveau. C'est une réalité qu'elles vivent au quotidien. Encore aujourd'hui, les femmes et les filles doivent se battre pour obtenir des soins de base et meurent de maladies qu'on peut prévenir. Et trop souvent, le droit des femmes de prendre des décisions concernant leur propre corps est remis en question. Depuis notre arrivée au pouvoir, on place l'égalité des sexes au cœur de tout ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on continue de faire aujourd'hui. Ce matin, la ministre Gould participe à la conférence « She Decides Now » et annonce que notre gouvernement va investir près de 94 millions de dollars pour appuyer la santé et les droits sexuels et reproductifs des femmes et des filles les plus vulnérables du monde. Ces fonds vont permettre d'offrir un éventail de services, qu'il s'agisse d'aider les sages-femmes professionnelles et certifiées en Somalie ou de contrer la violence fondée sur le sexe dans les camps de réfugiés Rohingyas. If this pandemic has been an unprecedented challenge for our country, it has also been an important opportunity to figure out what really matters in our communities, to have meaningful conversations about how we can take care of those around us, and perhaps, above all, to think about what kind of future we want to build together. We have the chance to shape our country and our world for the better, and I know that we're up to that task. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va commencer la conférence de presse par le téléphone aujourd'hui avec une question, un suivi. Opérateur, c'est à vous. Thank you, merci. Please press star 1 if you have a question. S'il vous plaît, appuyez sur étoile 1 si vous avez une question. Première question, Michel Lamarche, TVA, ligne ouverte. Bonjour, M. Trudeau. J'aimerais vous entendre sur cette entente intervenue avec le Mexique au sujet des travailleurs agricoles saisonniers. D'une part, pouvez-vous nous dire, vous vous êtes entendu pour la venue de combien d'autres travailleurs agricoles, les grandes lignes de cette entente, et ce que ça doit apporter et ce que vous avez comme responsabilité? D'abord, toute personne qui travaille au Canada se doit de le faire dans un milieu sécuritaire et sûr. Malheureusement, on a vu que pour beaucoup trop de travailleurs temporaires, ce n'est pas le cas. Évidemment, nous allons travailler et avec les pays concernés comme le Mexique, mais nous allons aussi travailler avec les propriétaires et les responsables de ce milieu pour s'assurer qu'à travers le pays, nous avons les bonnes protections en place pour ces gens. Oui, on va continuer d'en recevoir au besoin. C'est une industrie importante pour la chaîne alimentaire au Canada, mais nous allons faire encore plus pour s'assurer que toutes les règles sont suivies, que toute personne qui travaille ici au Canada soit bien protégée. I think it's obvious that we need to do a better job of ensuring that the rules are followed for temporary foreign workers in Canada. Obviously, they are an important part of our food supply chain. We need to make sure we're continuing to ensure and enforce the rules around how they are supported, how they're treated. Every single person who works in Canada deserves to do so in a safe environment, and unfortunately that hasn't always happened. So we will continue to work with Mexico and other countries to ensure that the systems are in place, that their citizens are protected while they're working here, even as we continue to receive people to work on our farms right across the country. En suivi, Michel. Bien sûr, j'aimerais aussi vous entendre sur la régularisation du statut des demandeurs d'asile, réfugiés, qui ont aussi travaillé dans le milieu de la santé pendant la pandémie. On nous disait que les discussions avec Québec progressaient bien, mais il semble que ça soit beaucoup plus complexe que ce qu'on disait au départ. Est-ce qu'on approche de la régularisation de leur statut? Nous voulons tous reconnaître ces gens qui se sont mis de l'avant pour nous aider dans un moment de vulnérabilité pour notre société, pour nos aînés, mais aussi pour eux-mêmes qui voudraient aider.
Nous travaillons avec le Québec, nous travaillons avec d'autres paliers de gouvernement pour assurer qu'on puisse les remercier de la bonne façon. Mais en même temps, on a un système d'immigration extrêmement rigoureux qui s'applique dans toutes sortes de situations, et de voir des exceptions à ce système-là, c'est toujours quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la légère. Alors, nous continuons de travailler de la bonne façon sur cet enjeu. Mais effectivement, quand on a un système d'immigration aussi fort et bien établi que le nôtre, c'est difficile de gérer avec des exceptions, ce qu'on est en train de faire, mais effectivement, c'est pas une chose simple à faire. Merci. Opérateur, prochaine question au téléphone. Prochaine question, Mélanie Marquis-Laprince, ligne ouverte. Merci beaucoup. Bonjour, Monsieur Trudeau. Les compagnies aériennes canadiennes vous demandent à votre gouvernement d'assouplir les interdictions concernant les voyages internationaux. On a beaucoup parlé de la frontière avec les États-Unis. Bon, ça s'est prolongé jusqu'au 21 juillet. Mais qu'en est-il des voyageurs internationaux? Est-ce que vous prévoyez procéder par étapes, permettre aux ressortissants de certains pays où l'infection est moins grave d'entrer progressivement? Pouvez-vous clarifier quel est votre plan à moyen terme, disons, là-dessus? Comme on a dit depuis le début, la sécurité, la santé des Canadiens, c'est notre préoccupation première. Évidemment, il y a des endroits dans le monde où la crise est moindre, mais il y a aussi des endroits où ça continue de faire rage. Nous allons donc regarder attentivement à quel point nous allons commencer à pouvoir rouvrir nos frontières. Je comprends qu'il y a bien des opérateurs touristiques, il y a bien des lignes aériennes qui voudraient qu'on accueille des touristes, encore une fois, qu'on permette aux gens de venir au Canada, encore une fois. Mais tous ces gens-là doivent comprendre que si on prend des pas trop rapidement, si on n'est pas sûr de ce qu'on fait à chaque étape, on risque de retomber dans une deuxième vague, comme on est en train de voir dans certains endroits du monde, et de devoir refermer notre économie et se reconfiner. Et je sais qu'il n'y a pas personne qui veut ça. Alors, à chaque étape, nous allons suivre de façon graduelle et progressive ce qui se passe. On va se pencher tranquillement sur les étapes à prendre en regardant le contexte international au complet et en faisant tout ce qui est nécessaire pour protéger les Canadiens à chaque étape. I think there's a lot of tourists or operators, a lot of regions in the country, companies like airlines that would very much like to see a return to international travel so we can get people coming in here and supporting our local communities and seeing business travel pick up again. But every step of the way, as we look at those next steps, we need to make sure we are keeping Canadians safe first and foremost. I understand how difficult this is and how frustrating this is for some people, but we know that reopening too quickly or carelessly would lead us to a resurgence that might well force us to go back into lockdown, to shut down the economy once again, and nobody wants that. That's why we have significant supports out for industries, for businesses, large and small, and for Canadians to be able to make it through the coming months. But we are going to be very, very careful about when and how we start reopening international borders. En suivi, Mélanie? Oui, sur un autre sujet maintenant, Michael Kovrig et Michael Savard en Chine, il y a M. Pompeo, le secrétaire d'État américain Pompeo, qui a fait une sortie, qui a réclamé leur libération. La dernière fois, c'est pas la première fois qu'il le fait, la dernière fois, ça n'avait pas fonctionné. Mais pour les deux Michael en Chine, qui n'ont pas eu de visite consulaire depuis le mois de mai en Chine, avez-vous à tout le moins réussi à obtenir des assouplissements de leurs conditions de libération? Où en est l'ambassadeur Barton à ce chapitre-là? Effectivement, je veux d'abord remercier pas seulement les États-Unis, mais nos autres alliés et amis à travers le monde qui ont exprimé haut et fort leur solidarité avec le Canada et leur condamnation de la détention arbitraire de ces deux Canadiens.
C'est dommage de voir la Chine continuer à persister à punir des Canadiens pour une décision indépendante de notre système judiciaire dans le cas de Mme Meng. Et nous allons continuer et de pousser pour un meilleur accès consulaire, mais aussi de pousser pour le retour des Monsieur Kovrig et Spavor. C'est une situation extrêmement difficile pour eux, c'est une situation extrêmement difficile pour leur famille, mais c'est aussi une situation fâcheuse et troublante pour tous les Canadiens de voir ce que la Chine continue à faire par rapport à ces deux citoyens. I'd like to begin by thanking yet again so many of our friends and steadfast allies around the world for speaking up and condemning China for the arbitrary detention of two Canadian citizens. From the very beginning, Chinese authorities have made a direct link between the detention of these two Canadians with the judicial process underway in the case of their citizen, Madame Meng. We obviously have a fully independent judicial system that will continue along its way, and we condemn the arbitrary detention of these two Canadian citizens. We continue to push for more and better consular access and conditions for them, but ultimately we continue to press and act in ways that will eventually get them home safe to their families. Thank you. Operator, next question on the phone. Next question is from Mia Robson, the Canadian Press. Please go ahead. Yes, good morning. I'm curious, when it comes to China, the government is saying that your comments last week linking the case against Meng to the case against the Canadians are irresponsible and that there are no links between the two cases. What makes you so sure that there are links between the two? And what do you say to the Chinese calling your comments irresponsible? Within the very first few days of the detention of Michael Kovrig and Michael Spavor, Chinese officials were highlighting a link between the detention a week before of Madame Meng and the arrest of the two Michaels. It has been obvious from the beginning that this was a political decision made by the Chinese government, and we deplore it and have from the very beginning. We will continue to advocate strongly and firmly for the release of these two Canadians who've been arbitrarily detained. And again, we want to thank all of our friends and allies around the world who've consistently and continually stepped up to highlight that this arbitrary detention of Canadian citizens is unacceptable and deeply concerning, not just to Canadians, but to people around the world who see China using arbitrary detentions as a means to political ends, which is absolutely unacceptable. And we will continue to stand strong and united around the world against this choice of actions by China. Okay. Depuis les débuts, nous avons vu que les autorités chinoises ont fait un lien entre la détention, l'arrestation de Mme Meng et la détention de ces deux Canadiens, Michael Spavor et Michael Kovrig. Nous déplorons évidemment qu'ils mettent un contexte politique à ces arrestations. Nous avons un système judiciaire tout à fait indépendant d'interférences politiques et elle poursuit son cours dans le cas de Mme Meng. Alors, c'est avec grand plaisir qu'on voit que nos alliés autour de la planète continuent de parler haut et fort pour condamner ces actions des Chinois qui ont arrêté deux Canadiens pour des raisons purement politiques. Nous allons continuer de faire tout ce qui est nécessaire pour assurer leur retour, tout en respectant la règle de droit dans le cas de notre système judiciaire. Following up, Mia. Yeah, when it comes to Huawei and Canada's 5G network, is Canada actually going to make a decision about whether or not Huawei will be allowed to operate in Canada for 5G? And why is it taking Canada so much longer than the other Five Eyes partners?
We continue to work with our intelligence agencies and security officials who continue to engage with our Five Eyes partners and allies around the world on the best way to move forward for the future of 5G in Canada. We will continue to make our decisions based on science and recommendations by those experts, and we're continuing to do our work on that. Nous allons continuer de travailler avec nos experts dans nos services de renseignement et nos services d'information qui font des recommandations sur comment on doit assurer la sécurité de notre système 5G. Nous travaillons évidemment avec nos alliés à travers le monde et nous allons prendre une décision en temps et lieu. Thank you, operator. Last question over the phone. Next question, Brian Lee, the Toronto Sun, line open. Prime Minister, I'd like to go back to the reaction from China and the comments from the ministry spokesman, Mr. Zhao, saying that you should earnestly respect the spirit of the rule of law. Do you think that China actively follows the rule of law in cases like Michael Kovrig and Michael Spavor? We saw in the very first days after the detention of Michael Spavor and Michael Kovrig, Chinese officials highlight that there is an obvious link between the case of Madame Meng in Vancouver being arrested in our extradition treaty and the detention of two Canadians on security charges. They made those links from the very beginning and continue to put political pressure on Canada through that detention, which is something that not just we deplore, but countries around the world are speaking up to deplore, because this using of arbitrary detentions as a means to advance political gains is something that is fully unacceptable in a world based on rules, and we will continue to stand up strongly for our values and our principles. Okay. Dès l'arrestation des deux Canadiens qui sont présentement détenus en Chine, des autorités chinoises ont souligné qu'il y avait évidemment un lien entre leur cas et le cas de Mme Meng qui s'était fait arrêter juste quelques jours avant sur un cas d'extradition avec les États-Unis. Nous soulignons que ce n'est pas acceptable pour la Chine d'utiliser des outils comme des arrestations de citoyens pour des fins politiques à travers le monde. Et d'ailleurs, nos alliés à travers le monde se montrent extrêmement préoccupés par le sort des Canadiens parce qu'ils savent très bien que ça pourrait être à leur tour à un autre moment et nous devons de rester solidaires pour déplorer ces arrestations arbitraires. Following up, Brian. From the beginning of this, China has used a pile of tactics that could be described as bully tactics. In addition to kidnapping Michael Spavor and Michael Kovrig, they've also engaged in economic warfare with Canada, targeting various industries. Have you raised this with Chinese officials? Publicly, you have been reluctant to call out China to the same level as the Chinese have called out you and Canadian media and others. Have you raised this with them, and have you been outspoken enough when it comes to dealing with the aggressive stance and nature of how China has handled this? We've continued to stand up for Canadian interests and Canadian values every step of the way. In every conversation with Chinese officials going back 5 years, we have always raised human rights issues. We've always raised concerns we have around China's engagement both regionally and with Canada and in the world. And we will continue to do that. We understand that as the world's second largest economy, they have a significant amount of economic might and levers, but Canada will continue to stand strong to support our farmers, to support our producers, while at the same time defending the interests of Canadians abroad and in detention in China. Okay.
depuis les tout débuts, le Canada a toujours exprimé clairement et fortement ses préoccupations par rapport aux droits humains en Chine et ailleurs dans le monde. Nous allons continuer de le faire. Nous avons aussi toujours souligné à quel point c'est important d'assurer les intérêts et les valeurs des Canadiens. Même en étant engagés avec la deuxième plus grande économie du monde, nous avons été très, très clairs que nous nous attendons à ce que les Canadiens soient traités comme il faut. On va être là pour défendre nos fermiers, nos producteurs, mais en même temps, nous allons toujours être là pour défendre les Canadiens en difficulté en même temps. Bonjour, Philippe-Vincent Foisy de Radio-Canada. J'ai une question sur la PCU. Il y a des gens qui ont eu la mauvaise surprise au cours des derniers jours de recevoir un message à l'Agence du revenu qui leur ont dit « Vous n'avez pas le droit à la PCU ce mois-ci parce qu'au début, il y a eu deux chèques qui ont été envoyés où il y a beaucoup de confusion chez plusieurs qui, aujourd'hui, se retrouvent sans leur chèque de la PCU. Ce chèque qui aurait été utile, nécessaire, essentiel pour payer l'épicerie, le loyer et toutes les autres dépenses courantes. Vous leur dites quoi à ces gens-là? » Tous les Canadiens qui ont reçu la PCU ont reçu les 2000 $ par mois. Jusqu'à présent, c'est un total de 8000 $ pour les 4 mois que ça a été présent et on va étendre la PCU pour encore 2 mois. Je comprends qu'il y ait des situations dans lesquelles les gens ont eu un peu de cet argent plus tôt ou à l'avance parce qu'ils en avaient besoin et ça crée un petit défi maintenant et on est en train de regarder comment on va pouvoir les aider, mais c'est une situation qui est très difficile pour plusieurs familles et on est en train de regarder ce qu'on peut faire. Sur la Chine, vous dites on se tient debout, on défend les valeurs canadiennes, mais le fait de vous tenir debout n'a donné aucun résultat. Les deux Michael sont toujours emprisonnés. La Chine ne change pas du tout, mais pas du tout son fusil d'épaule. Est-ce que vous allez changer de vitesse puis arrêter de dire on défend les intérêts canadiens, mais montrer que vous les défendez, prendre des décisions aussi qui vont dans cette direction-là? Notre préoccupation primaire, c'est toujours les intérêts canadiens, la protection des citoyens canadiens, la libération de citoyens canadiens et la défense de nos valeurs et de nos intérêts. Pour ce faire, nous utilisons différents moyens. Il y a des choses qu'on fait publiquement et qu'on dit publiquement. Il y a des choses qu'on fait à l'arrière-plan, où on est en train de travailler extrêmement fort pour continuer d'assurer que tout soit fait pour libérer ces deux Canadiens. Nous allons continuer parce que, comme on a vu depuis des années, nous avions réussi plusieurs fois à ramener des Canadiens qui étaient en situation de détention injuste ou avec lequel on était en désaccord. Et on va continuer d'utiliser cette expérience pour aider les deux Michael. David Aiken, Global News, Prime Minister. There are liberal members of your party in this country, former Deputy Prime Minister John Manley among them, who say you should trade Hmong for the two Michaels, that there is a process, that your Justice Minister Lametti will get a chance in the process to have some input and make a decision. And if Hmong goes through the process and goes to the States or is released, you lose all leverage. And again, this is, I'm using Mr. Manley's words, you should do what you have to do. This is hardball politics and we should trade up. Are you at all considering that sort of thing? Because clearly the Chinese think there's still a quid pro quo that could happen here. No. We're not considering that. Canada has a strong and independent justice system. We will ensure that it goes through its proper forces, and anyone who's considering weakening our values or weakening the independence of our justice system doesn't understand the importance of standing strong on our principles and our values. Okay. Non, nous ne considérons pas faire de deal à l'arrière-plan en ne pas respectant notre système de justice. On a un système de justice indépendant et fort et nous allons rester dans le respect de ce système à chaque fois parce que c'est ce à quoi les Canadiens s'attendent et c'est ce qui nous protège dans le monde aussi. I want to come back to last week's UNSC vote. One of the things we heard leading into it was one of the values of having that seat was that our ambassador Blanchard would be basically every day talking to the Chinese ambassador, possibly the two Michaels. That obviously is not going to happen. Does that set back your ability to talk to senior Chinese diplomats? And I just wonder, too, if you could say whether or not the loss last week will spark a broader reset of Canadian foreign policy.
Obviously, over the past years, we have continually been engaging with countries around the world, including China, on defending Canada's interests, on standing up for our values, and we will continue to. As I said many times, a Security Council seat was a means to continue to have Canada's voice present on the world stage, but not having that seat certainly doesn't slow us down in everything that we have been doing and will continue to do on the world stage. It is going to be extremely important, particularly through this time of COVID-19, that we look for global solutions, that we strengthen multilateralism and the partnerships we've built with countries in Africa, countries in the Caribbean and South America in particular, on responding to this crisis and looking to what a better world could look like is something we will continue to do. And yes, reflect very carefully on how Canada can best continue to make sure that the solutions we're putting forward are resonating properly and helping on the world stage. Je pense que c'est clair que depuis bien des années, nous nous engageons au niveau diplomatique avec tous les pays du monde, y compris avec la Chine, et ça va continuer. Le siège au Conseil de sécurité, c'était un moyen additionnel de faire résonner notre voix à l'échelle internationale. Mais tous les moyens dont on dispose maintenant et qu'on va continuer à disposer vont continuer à avoir un impact. Nos partenariats, particulièrement en Afrique et dans les Caraïbes, en Amérique sud et centrale, vont continuer d'être extrêmement importants dans l'ère de la COVID-19, mais aussi au fur et à mesure qu'on rebâtit et qu'on transforme notre monde pour le mieux. Le multilatéralisme, le travail ensemble va être extrêmement important pour l'intérêt des Canadiens, mais aussi d'amener un monde plus prospère et plus juste pour tous. Marika Walsh with the Globe and Mail. Prime Minister, given what you were describing, that we have two Canadian citizens who have been unjustly detained for closing in on 600 days now in China with no consular services, they're tortured by light torture, not ever shutting off the lights where they live, why are you only going so far as to say you are disappointed in that? I have highlighted from the very beginning our deep level of concern and disagreement with the arbitrary detention of two Canadians. We have expressed both publicly and privately how firm we are on wanting to get them back. And we continue to stand up both for the independence of our judicial system and Canadian interests and values. We work behind the scenes and in public to ensure that everyone understands that we will continue to work extremely hard to get these Canadians home. Okay. J'ai toujours été très, très clair à quel point nous condamnons la décision de la Chine de détenir de façon arbitraire deux Canadiens pour des raisons politiques. Nous allons continuer de pousser pour leur retour au Canada et de déplorer le choix de la Chine de jouer des jeux politiques avec la vie des Canadiens. Hi, Prime Minister. Tom Perry, CBC. We've learned that your government's received a legal opinion that the Justice Minister can intervene in the case of Meng Wanzhou. Michael Kovrig's family says that David Lametti actually saw it about a month ago. It was submitted about a month ago. I'd like to get your response to this legal opinion. Obviously, there are tools in a government that exist that sometimes haven't been used in a very, very long time. We are proceeding in a way that defends and upholds the independence of our judicial system, and we will not interfere politically in the unfolding of our rigorous independent justice system. Il y a toujours certains outils sur papier qui n'ont pas été utilisés depuis longtemps ou jamais, qui sont à la disposition théorique, mais nous avons dit très clairement, nous n'allions pas intervenir de façon politique dans notre système de justice indépendant. Hello, Prime Minister. It's Annie Bergeron-Oliver with CTV National News. Your government has recently made a deal with Mexico to better protect migrant workers, but this deal comes too late for three migrant workers who have now died of COVID-19 and hundreds of others who are battling the virus in poor accommodations. Do you feel that the Canadian government has failed these workers? We brought in strong measures around mandatory quarantines for arriving temporary foreign workers and have rules in place
that protect those workers. Obviously, there are cases in which those rules were not followed, and we are extremely concerned by that, and there will be consequences for companies that did not follow the rules designed to protect workers in Canada. In Canada, anyone doing work, let alone essential work as part of our food chain, needs to feel protected. Obviously, in the case of these three tragic deaths, that wasn't the case, and we are ensuring that changes are made and that there will be consequences. Okay. Évidemment, quiconque travaille au Canada mérite de se faire dans un lieu et dans un contexte sécur et sanitaire. Les règles n'ont pas été suivies dans les cas de ces trois travailleurs-là. Nous avions mis en place des mesures pour assurer une période de quarantaine protégée pour ces travailleurs qui a été respectée. Alors, c'est depuis que des gens ont enfreint des règles par rapport à la distanciation, par rapport aux conditions de travail. On est en train de regarder exactement ce qui s'est passé, mais c'est certain qu'on va devoir assurer d'abord des conséquences, mais aussi que nos systèmes changent pour mieux protéger les travailleurs vulnérables. You said that some of the rules weren't being followed closely enough and that your government is going to try to do more to change the situation. But why is the government continuing to allow migrants in right now when doing so jeopardizes their health? And what concrete steps is your government going to take, and will that include hiring more inspectors, and if so, how many? There are many facilities across the country that employ temporary foreign workers in which there are no cases, that where people are doing important and good work to contribute to our supply chain in essential ways that keep Canadians fed. We recognize there are a number of places where those rules and those protocols haven't been adequately followed, and we will ensure that there are consequences, while at the same time recognizing the important work brought by these temporary workers to the Canadian economy and to Canadians themselves. Il y a bien des endroits à travers le pays où il y a des travailleurs temporaires qui sont dans des conditions sécuritaires et sanitaires, qui font du bon travail, qui contribuent à nourrir les Canadiens d'un bout à l'autre de ce pays. Et ce travail doit continuer. Mais dans des cas où on a vu des éclosions de cas, nous devons de se pencher avec un regard plus proche pour regarder qu'est-ce qui s'est passé, s'il doit avoir des conséquences et comment on peut améliorer nos systèmes. Merci beaucoup. C'est ce qui n'est pas la conférence de presse d'aujourd'hui.